Bonjour. Alors là, on est à la conférence de presse pour le clip posthume de Walda. Alors, comment l'idée est née, en fait, d'aider à faire connaître Walda davantage? Pas d'aider, mais de produire le clip. Donc, c'est pas juste une aide, mais c'est une forme de coproduction. On est partie prenante de ce clip qui est essentiellement produit par son fils, qui est Riyad Basri, et l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, qui sont les principaux producteurs de ce clip. Bien sûr, avec la participation des autres partenaires qui sont Londa, l'ONCI, Najma, France Avant, Al Jazeera TV. Donc tout ce beau monde des deux côtés, public et privé, ont contribué à ce clip qu'on vient de voir son avant-première mondiale aujourd'hui à Mouga à l'occasion de la projection presse et ça succédera par une projection officielle ce soir à 19h. Suite à cela, à partir de demain, ce clip sera visible sur toutes les chaînes nationales, arabes et même sur internet. Cliquez Warda AM et vous trouverez une très bonne qualité à partir de demain. Attention au piratage, mais le fils de Warda a décidé de balancer la bonne qualité et la bonne sur internet à partir de demain. Super. Et quant à la question de savoir si d'autres productions de ce genre seront faites pour d'autres artistes qui nous ont malheureusement quittés, Le choix de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, on a déjà eu une expérience avec le clip de Hamdoullah Maqashtamat Bladna, qui c'était un cadeau du ministère de la Culture qui a désigné l'agence algérienne pour le rayonnement culturel pour fêter le 50e anniversaire à travers ce beau clip qui maintenant circule partout et qui est offert à toutes les chaînes nationales et tout ce qui demande ce clip, il est à la portée de tout le monde. Donc, dans le cadre de l'accompagnement de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel aux artistes algériens, non seulement dans le côté audiovisuel, mais dans le côté accompagner un artiste, produire ce clip rentre dans ce cadre. Donc, on a accompagné une diva qui nous a fait l'honneur d'offrir au public algérien et au public arabe et même mondial cette dernière chanson qui je suis sûre va faire parler d'elle. Une belle image, un beau paysage de ce beau pays, des acteurs qui font sortir de leur trip, de leur regard, des sentiments qu'on n'a pas besoin d'en parler, mais surtout de sentir et de découvrir. Donc je crois que Mounes Khammar a réussi le coup grâce à la contribution de Bilal Zine, Mounir Bouassaf. Bien sûr, nous remercions les acteurs algériens qui ont participé à ce clip. Hassan Kachach, Hamed Ben Issa, Malika Boulbaye, Aïda Kchoud, Sophia Kouinen et d'autres, et même les jeunes qui ont fait les autres. Donc je crois que c'est un bon ambassadeur culturel, artistique et même historique de ce beau pays qui était marginalisé pendant longtemps. Merci beaucoup à vous, merci pour votre travail.